Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien, j'espère que vous me recevez bien. Je suis Franck Payen et je vais être avec vous pendant une petite heure, une toute petite heure, hein, avec Kyle. Et pendant cette heure, on va parler de dessin. Bonjour Kyle. Bonjour Franck, ça va? Bienvenue, ça va bien, bienvenue à toi, bienvenue à tous ceux qui nous suivent, ben, comme d'habitude maintenant, qui ont pris des habitudes. On vous a pas vu depuis l'année dernière, les gens. J'espère que vous C'est avez vrai, passé oui. de bonnes fêtes. Nous, on avait terminé l'année dernière avec les résultats du Festive Challenge. Si je mets le micro aussi loin, ça va pas aller. Là, ça devrait aller mieux. On avait terminé l'année dernière avec les résultats du Festive Challenge qui ont permis, eh bien, de découvrir des nouveaux illustrateurs et qui vous ont permis de gagner un petit peu des petits cadeaux côté Adobe. Et on redémarre. Donc, ça a redémarré dès lundi. Ça a redémarré avec Pauline qui a reçu Louisa Lafitte. On a enchaîné aussi dans la foulée avec la session de Julien Rico, qui était une session illustration pour le coup. Tout à l'heure, si vous étiez avec nous à 14h, vous avez vu Atomike, Mike Stefanini, qui nous a fait un Defender en plein dans la pampa, tout depuis Illustrator jusque Photoshop. Beaucoup de textures, beaucoup de pinceaux sur la fin de la session. Et puis bien là, on enchaîne avec Kyle. Demain, on sera avec Bruno Beuret pour une session photo surréaliste pour les fans de Dali, pour les fans de Eric Johansson par exemple. Et on terminera la semaine sur Caractère Animator avec plein de nouveautés très très chouettes. Voilà. Mais aujourd'hui, Kyle, qu'est-ce qu'on va faire et qu'est-ce qu'on va dessiner ensemble? D'habitude, on va faire des dessins avec des thèmes et c'est cool quand les gens qui sont dans le chat, s'ils peuvent me donner des suggestions pour faire des dessins, des choses. Aujourd'hui, le thème, c'est l'hiver et je vais commencer avec quelque chose moi-même, juste pour avoir quelque chose à regarder. Maintenant, on dessine sur Fresco, dans Fresco. Et Fresco, si vous ne savez pas, c'est une application d'Adobe qui est gratuite Cool. et c'est super. Et on utilise dans cette application des brosses qui sont vecteurs et raster. Et on peut utiliser des pinceaux de Photoshop et des autres choses. On a tous les autres trucs que vous connaissez bien, comme des calques et comme des modes de blending modes et comme tout ça. En français, c'est quoi encore? Blending modes? J'ai Les modes oublié. de fusion. Mode de fusion. Eh oui. Wow. Et oui, alors, je vais faire des dessins sur mon iPad Pro avec Fresco aujourd'hui sur le thème l'hiver. Ok, Si alors vous avez des idées. j'en profite pour dire bonjour à Delphine, Franck, Laurence, Yves, Clémentine, Tiquenio et Annika. Annika qui nous vient de loin en plus. Annika Agarwal qui fait aussi pas mal Parlez-moi. de live. Et oui. Et on va faire cette session. Je vois aussi qu'il y a des gens du côté YouTube. Donc je pense à Thierry, à Attic, à Christine. Vous êtes tous les bienvenus sur Behance. Je vais vous partager le petit lien de la session. Comme ça, vous pourrez nous rejoindre de l'autre côté. Vous verrez, on y est bien, on y est au chaud. C'est plutôt sympathique. Excellent, bonjour à tout le monde, bonne soirée à tout le monde. Je ne sais pas où vous êtes tous, mais peut-être vous pouvez dire dans le chat Oui, le alors pays d'origine. qui vient d'où? Qui vient d'où? Si Voilà. vous êtes à l'extérieur de la France métropolitaine, vous venez nous raconter, vous nous dites dans quelle ville ou dans quelle région. Si vous êtes non, pardon, si vous êtes en France, vous nous dites où précisément. Si vous êtes loin, vous nous dites le pays et la capitale ou l'état le plus proche qu'on arrive à vous retrouver. Excellent. Je veux toujours dire, comme chaque épisode, que je suis américain, évidemment. Je parle un peu de français et si j'oublie des mots, Franck, il peut m'aider avec Normalement, je mon m'en sors bien français. pour traduire, ouais. Et il y a même des fois des mots qui sont difficiles pour moi parce que c'est des mots dans l'application que je ne connais pas Ouais. et tu peux m'aider avec ça. Merci bien. On va commencer maintenant et je vais utiliser un pinceau de nouvelle collection qui est maintenant live aux États-Unis, en Canada, Mexique. Je sais pas si c'est toujours déjà
tout dans le monde, mais Alors, je ne peut-être sais en pas du France, tout. Je vais peut-être. regarder parce que je n'ai pas fait attention aux mises à jour. J'avoue, je triche. J'ai pris un petit peu d'avance sur certaines mises à jour et du coup, je ne sais plus qui a quoi. Donc, C'est l'hiver hiver 2021 2022, oui, ou voilà. 2022, ouais, je ne sais jamais comment on compte les saisons. 22. Et mais j'ai entendu quelqu'un une fois qui a une petite triche ou un tour, je ne sais pas comment dire, trick, une petite chose que vous pouvez faire de les attirer, c'est de changer la région en bas de la page Adobe Et du pour coup, de se download. mettre aux États-Unis pour avoir accès Voilà. aux brosses dès maintenant. Oui, et ça marche des fois. Je ne sais pas si ça marche tout les fois, mais bon, tout le temps. Mais bon, faut essayer. Et comme ça, vous pouvez les avoir avant. Alors, moi, je demanderais bien aux gens qui nous suivent, est-ce que vous avez vu arriver ça? Annika l'a reçu. Yves nous dit pas encore en Suisse. Moi, j'ai Fresco. Fresco, sur quelle version je suis ici? Dans les nouveautés. Dans les nouveautés, non. Je suis sur la version 3.2.3 avec les calques, les marges, les projections de zone de travail. Mais il me parle pas des nouvelles brosses. Donc, est-ce qu'elles Alors, sont pas vous pouvez encore aller arrivées? sur l'Internet, sur le site pour Pour télécharger, mais tu peux les downloader, je listen to me. suis en français. Télécharger, voilà. Télécharger les pinceaux. Est-ce que vous pouvez peut-être mettre le Ouais, je vais mettre lien? le lien de Get More Brushes. Merci. Voilà. Et ça peut aussi marcher parce que en bas, tu vois, j'ai cette petite. Le petit plus là? Plus, voilà, plus. Et j'ai Discover New Brushes, Import from Files. Je peux faire alors, tu télécharges les brosses sur l'ordinateur ou n'importe où, sur l'iPad. Et comme ça, vous pouvez les chercher et les mettre en Fresco comme ça. OK? Ajouter D'accord. en Fresco. OK. Alors, j'ai c'est quoi encore flop de nuages? Des flocons, un flocon de Flocon, neige. flocon. Flocon de neige, Flaky. merci. Voilà. mais j'ai aussi Flaky Mix. C'est une collection. Je peux faire des choses comme ça. C'est très rapide et amusant. Et je vais commencer avec ça. Alors, mettre des. Voilà. Et on va ajouter des autres. J'aime bien celui-là. Et tu vas voir que les tailles de chaque De chaque tampon. flocon, et oui, est un peu différent. À randomiser, on peut dire ça? On peut dire randomiser, ouais. Je crois qu'on peut le OK. dire. En tout cas, c'est mettre les choses en mode aléatoire. Du coup, on va dire randomiser, hein. Je pense que. Et je vais continuer par ajouter un arbre. Et tu peux voir, j'ai plein d'options ici pour faire des arbres qui sont comme. Ils étaient inspirés par les designs, les dessins et les illustrations des années 50, tu sais, le dernier siècle. Tout à fait. Et on a quelques options, et pour ça, je vais choisir cette option ici. Je continue à faire des Expérience, expériences, expérience, merci. expérience. Mais parce que expérience est différente, ça. Alors, on commence à avoir des réponses. Christine vient d'Ontario, au Canada. Attic vient de Marseille. On a quelqu'un qui vient de UK, qui est Ah. là. On a un peu plus loin dans la forêt, on a la Suisse. Et là, Annika nous dit les nouvelles brosses sont très très bien. Donc tu Merci, vois, sympa, très sympa. je trouve aussi.
pour avoir joué avec, c'est vachement bien. Et Yves nous dit ça marche pour Photoshop, mais sur Fresco, c'est pas possible car depuis Fresco, on arrive directement sur le site suisse, par exemple, et on ne peut pas changer depuis Fresco. Donc je vais tester l'astuce de Kyle et de changer, de choisir une autre région pour voir si ça fonctionne. Je vous le teste en direct. Sinon, il faudra juste être patient. Et rassurez-vous, votre patience sera récompensée parce qu'elles sont vraiment très cool, ces brosses. Ils vont arriver partout Elles dans sont au moins disponibles, deux ouais. Si, semaines. si vous mettez, Disponible. si vous mettez, vous enlevez le FR de l'URL que je viens de vous donner. Vous devriez voir Winter 2022 Brushes. Je vous confirme, ça existe. Du coup, on peut les télécharger, les Excellent. rajouter et les rajouter à son Photoshop. Et du coup, on y aura accès de l'autre côté. Tu utilises un brosse d'encre. Peut-être Classic Comics. Et j'ajoutais quelqu'un qui. Et là, on a Yves qui nous dit toutes ces brosses commencent à prendre beaucoup d'espace sur l'iPad. Si on a peu de mémoire, il va se poser quelques questions et des choix cornéliens. Il va falloir choisir quelle brosse on garde et quelle brosse on abandonne. Ça va pas être Oh. facile. Et ouais, acheter des plus gros iPads. Maintenant, c'est quoi la taille de pour les iPads, pas taille, mais ils ont combien De de pouces? gigs? Ah, de gigs, aucune idée. Honnêtement, je sais pas du tout. J'ai un peu décroché sur ça. Moi, je suis toujours, tu sais, sur mon vieil iPad qui fait bien la blague, Super. qui marche bien. Mon iPad maintenant, il a deux ans, je crois. Et ça va, ça marche bien. J'ai un autre qui j'ai acheté en 17. Ouais. Et tu marches très très bien. Et tu sais, avec Fresco, tous tes dessins, tes illustrations étaient gardés, sauvés dans le cloud. Ouais. Ouais, Alors, du coup, ça prend. Ouais, le dessin prend plus de place après, quoi. Une fois qu'il est fait, il peut partir. Ouais. Tu utilisais un brosse de rakes, les rakes, et en français, je ne sais Les pas. râteaux? Râteau, Je crois que voilà. c'est les râteaux. Je vais ouvrir mon Et fresco. comme. Comme ça, je serai exactement au même moment que toi et j'aurai pas ce décalage. Si tu vas Ouais. beaucoup plus vite, toi, tu sais ce que tu vas faire avec. Oui. Et tu peux voir ce que j'avais fait, c'est Ouais. juste de faire des marques dans la neige. Et je vais finir par ajouter un peu de couleur, mais aussi un autre arbre. En français, c'est foreground, background, comment Donc dire les premier deux? plan, arrière-plan. Premier plan. Ouais. Et tu peux dire devant, derrière, on y arrive aussi. OK. Sandrine nous dit, je mets les brosses dans les librairies que je constitue sur Photoshop, et après je charge ou je charge pas selon mes besoins. Et non, c'est pas peigne, hein, c'est vraiment râteau pour le coup. Il y a de la pression du râteau, il y a du râteau texturé, du râteau court, du grain de râteau, du gros râteau, de l'inclinaison de râteau et de l'espacement de râteau. Mais pour le coup, c'était pas les peignes. Thierry nous dit il y a 1 Tera sur l'iPad Pro M1. Pardon? Il y a 1 Teraoctet, 1 TB. Wow! Ça doit être assez, non? Ben, je pense que tu vas pouvoir mettre plus de textures. Oui. Alors, j'ai une question sur ces brosses. Est-ce que on peut est-ce que toi tu as besoin parfois de re-régler la pression au début du trait des brosses, tu sais, pour qu'elles partent dans le bon sens? Parce que moi il y a eu certaines brosses que j'ai pu tester sur lesquelles quand tu démarres, tu sais, il y a toujours ce moment où tu poses le stylet et il Oui. fait
deux pixels dans le mauvais sens, puis dans le bon sens. Et sur certaines brosses, ça peut être un peu bizarre. Est-ce que toi, tu le re-règles? Est-ce que tu le... J'ai pas vraiment trouvé une méthode pour correctionner ça, ou pour, comment dire, corriger, pour éviter ce problème. C'est difficile parce que si je veux créer une brosse qui répond à la direction de pinceau, Du trait, ouais, du pinceau. il faut que je mette, faut que je mise, Faut que je mette. mette, subjonctif. Tu peux voir ici avec Shape Dynamics, direction. J'ai ça Ouais. pour contrôler direction. D'accord. Et des fois, tu mets ton pinceau sur l'écran et c'est impossible pour Fresco de savoir dans quelle direction tu veux bouger. Et alors, ça va choisir n'importe quoi pour le mettre. Et pour moi, ce que je fais souvent, c'est ça. Je commence par faire une direction D'accord. avant que je touche l'écran. Ah, comme ça, il Juste enregistre avant, le déplacement. Donc oui, tu tu vois, brosses le tableau avant. Ok. C'est intéressant comme ça. ça, je commence et ça va aller dans la direction que je veux. Juste avant de toucher l'écran, je commence avec la direction. Et je sais, ce n'est pas parfait, mais ça marche. OK? Moi, ça me va. OK. Alors, on a quelqu'un qui tire cet arbre. Et on peut juste ajouter peut-être un peu de couleur. C'est un petit Utiliser côté les aquarelles. Fargo. Oui. Mais c'était pas un arbre. Ça fait longtemps que j'ai vu ce film. Pas longtemps. Ah, et je compte bien d'eau ici. Ah, pas beaucoup d'eau. Voilà. Un peu plus d'eau. Et si tu mets plus d'eau, ta couleur va se diffuser plus vite. Voilà. Et Alors, est-ce que les gens qui sont avec nous dans le chat font des dessins sur Fresco aussi? Dites-nous, ceux qui font des dessins dans Fresco, vous écrivez oui, je dessine dans Fresco ou quelque chose comme ça dans le chat. Si vous êtes avec moi sur Behance, j'aurai regardé les portfolios de tout le monde et j'espère que je vais découvrir des nouveaux illustrateurs que je connais pas encore. excellent. Je veux savoir aussi, moi. Je te dirai. Et est-ce qu'on a des idées? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une idée pour quelque chose pour moi? Je peux dessiner quelque chose pour l'hiver. C'est le thème aujourd'hui, hiver. Et ça peut être n'importe quoi, des animaux, des scènes, Qu'est-ce qui des vous ferait plaisir? gens. Quel est le prochain thème les uns les autres? Donc je vérifie que j'ai pas laissé passer un thème par erreur, tu vois, parce que tout à l'heure on discutait, on regardait tout ça, mais est-ce que les gens nous auraient pas donné le thème d'après? Christine tout à l'heure nous disait c'est vrai, les meubles étaient décorés comme ça dans les années 50. Oui. Et j'ai ajouté plein des arbres qui étaient inspirés par ces styles, des illustrateurs. Par exemple, c'est très simple comme ça. Ça, Et c'est génial. j'aime ça. Et alors, Merci. figure-toi que celle-là, avec les petits chevrons, je m'en sers moi pour faire du parquet. Flooring. Oh yeah. Un dans un sens et un dans l'autre, entre les deux.
comme ça et comme oui, ah, je comprends, oui, Et c'est parquet, génial, ça marche trop bien. on a le même mot en anglais, on dit les Nous, c'est des chevrons. chevaux. Je sais pas en anglais comment. Ah oui, ça peut marcher ça. Et du coup, avec un petit peu de Color Dynamics de Ah bois dessus, on peut oui. changer un peu la luminosité et ça marche très très bien. Oui. C'est comment utiliser les brosses de Kyle, mais en les changeant. Donc Je trouve tout le celle-ci. temps des gens qui utilisent des brosses dans les manières que je n'ai jamais T'avais pas prévu. imaginées. Oui. Hey, ça marche très très bien ton histoire de commencer et de pas poser le trait avant. C'est bien. Merci Excellent. beaucoup. Ah. De rien. Alors, je peux faire un dessin. S'il y a des gens, ils n'ont pas des idées pour moi maintenant. Ticagneux nous dit, alors aussi oh, ça y est, on a les idées qui arrivent. On a un chocolat chaud au coin du feu, on Oh. a un skieur sur un slalom, on a des lapins bien au chaud dans un terrier, un J'aime bien chauffeur le qui se casse la skieur. bobine en sortant de sa voiture sur la plaque de glace. Ah, la dernière, c'était quoi encore? Un chauffeur de voiture qui tombe, qui se casse la figure sur la plaque de glace. So, it's a driver who's slipping on the ice, c'est ça? Ouais, mais juste au moment de sortir de sa voiture. Ah! Ok, excellent. Alors, j'aime bien le skieur et la dernière aussi. Je peux faire les deux si tu veux. C'est parti. Un skieur sur un slalom. Thierry qui a suivi les sessions avec nous aura apprécié le skieur sur le slalom par Patagraphe. C'était notre dernière session avant les vacances. Ce sera à regarder. Mais pour le coup, c'était tout en stop motion. Vous la Ah. retrouvez en dessous sur Behance. Je vais faire une esquisse pour commencer. Ça peut m'aider avec des formes et tout ça. Maintenant, je pense à une composition assez intéressante. Et OK. Je vous ai remis le lien d'ailleurs hein, de la session avec Victor. Comment ils font ça? Je vais utiliser un style assez abstrait ou pas vraiment réaliste pour ça. Alors je vais d'abord, je pensais avec une idée pour la figure, mais je vais changer des choses. Après, et je crois que je vais peut-être faire ça avec des sélection, je sais pas encore. Peut-être pas avec des lignes, peut-être seulement avec des. Sélection.
OK. Je veux que la silhouette est intéressante. Soit que la silhouette soit intéressante. Faut dire ça, non? Il faut dire ça, mais j'hésite à te reprendre ou pas. Je me dis, est-ce que je le reprends ou est-ce que juste je le laisse dessiner tranquillement? La grammaire française, ouf. Ah bah c'est pas simple. Je crois que c'est même puissant que anglais. Hein, tu vois? Oui, parce qu'anglais, les verbes comme to be, I am, you are, was. Ces mots, ils ne ressemblent pas, se ressemblent pas, comment dire, they don't look anything like each other, they don't sound anything like each other. Une Delphine qui nous demande de dessiner peut-être pour plus tard un marché de Noël. Marché de Noël, c'est quoi ça, un Tu sais, c'est parade? comme en Allemagne, par exemple, où il y a beaucoup ça. Christmas market. Oh, market, marché, ok, sorry. Marché. Je pensais à ce marché. Je continue de vous partager tous les liens pour ceux qui sont intéressés, vous le savez déjà pour les habitués. Je vous mettrai les liens dans le Discord, là je suis en train de vous remettre au propre la petite liste de ce qu'on a fait tout à l'heure avec Mike Stefanini. Du coup, il y a les sessions qu'on avait fait auparavant avec Florimond Mochel, avec Lulu la Nantaise, si, pour les gens qui aiment bien l'illustration, avec Francis Chouquet pour la partie typographie. On a parlé du studio Hoodspa sur les gammes de couleurs au début. On a parlé des nouveautés de Photoshop. Il y a pas mal de liens et du coup, ben, comme vous êtes fort sympathique, je vais vous mettre directement le lien qui va bien pour nous retrouver sur Discord. Je dois être careful, Prudent. prudent, merci, de ne pas dessiner quelque chose qui est trop réaliste. Je veux que le style à la fin va avoir un peu d'énergie dans les mouvements et tout ça. Et c'est ça, c'est la balance entre les deux, entre quelque chose qui a assez de mouvement et Comment conserver, comment rendre le mouvement lisible, en fait. Tout en le faisant statique. Alain nous demande si Kyle dessine sur Fresco sur un iPad. Ouais, c'est tout à fait ça. Exact. Et Annika nous dit, j'aime que les illustrations de Kyle sont toujours un jeu de perspective, comme celle-ci. Tout est vraiment, vraiment chouette. Tout est vraiment Oh, bien. wow. Merci. Profitez, hein, si vous voulez nous laisser des commentaires, discuter, tout ça. On est là exprès pour vous. Si vous avez des questions sur l'appli, Kyle est incollable. Et si les mots sont trop compliqués en français, je l'aiderai. On y arrivera. Oui. Heureusement. Personne ne restera perdu trop longtemps.
Maintenant, je pense aux affiches. Qui était populaire aux années au début du 20e siècle, peut-être. D'accord. Est-ce que tu connaissais des affiches françaises pour voyager, tout ça? Les grands, ouais, tout ce qui est les grandes croisières transatlantiques, les paquebots, Oui, les oui. avions avec beaucoup de grands aplats et de la matière dessus, avec sûrement un ancêtre de l'aérographe. Ouais. Et il y avait beaucoup aussi de scènes d'hiver avec les gens qui font du ski et ou qui étaient restés sur les montagnes avec des pistes, c'est ça? On dit comme. Ouais. Et oui. Alain me demande, est-ce qu'on peut faire des gifs ou des petites animations sur Fresco comme sur Photoshop? Mais oui. Ah, bien sûr, on peut faire des animations très compliquées, très sophistiquées en fresco, même avec des motion pads. C'est facile à faire et très cool. J'ai commencé une petite série au début du mois de janvier sur du morphing de lettres. Donc Cours. c'est transformer une lettre en une autre. Et j'en ai fait. Je suis passé du 0 au 1, du 1 au 2. Je me suis bien amusé. J'ai commencé du 2 au 3. Et je me demandais si justement l'idée de travailler comme ça sur Fresco me ferait gagner de la continuité sur ça. Ou est-ce que c'était plus intelligent de juste faire un bête morphing à l'intérieur d'Animate, par exemple? Et Et ben après, je me suis dit qu'il fallait que je prépare les lives de cette semaine, donc j'ai pas eu le temps de finir. pas grave. Ça viendra. Oh. Ça viendra une chose à la fois. Il a des collants de super-héros. C'est Peut-être Vision. après la mission, tu peux me Non. montrer ce que tu as déjà. Non, parce que c'est pas des Avant. trucs secrets en plus, hein. Je pense que j'avais mis ça sur Instagram Ah, en cool. story. Alain se disait, c'est super parce que je pose ces questions, je me tâte à prendre un iPad mini pour dessiner avec Fresco plus facilement. Alors je sais pas ce que t'as comme iPad, Alain. Moi, la problématique que je retrouve sur le mini, c'est qu'il est vraiment mini pour le coup. Je crois que ça doit être du 7 pouces et demi. Et ça commence à être petit petit, mine de rien. J'aurais tendance à partir sur un petit peu plus grand. Les iPads qui sont pas des iPads Pro sont pas mal pour ça. Je sais plus comment il Moi, s'appelle. j'aime bien iPad Air. La taille est bien, il y a beaucoup de pouvoir, c'est beaucoup moins cher que iPad Pro et Fresco marche super bien sur cette modèle. D'accord. Ouais. Ouais, parce que l'iPad mini, dans les présentations, il a vraiment l'air de tenir dans la main. Et du coup, je trouve que c'est un petit peu petit. Tu sais, c'est entre le téléphone et la tablette. Les fameuses phablettes. Fablette. Du coup, l'iPad mini 560. Moi, j'ai iPad de base. 380. Le R est pas mal en bord carré. Laurence nous abandonne et va récupérer les enfants à l'école. Mais oui, c'est bientôt la fin de la journée. Ouais, 8 Merci pouces pour. d'être ici pour pendant le. Oui. Ciao. Bye. Yves est sur un iPad Pro 10 pouces. Ouais, les iPads 9e génération, ils sont en 10 pouces. Les iPads Pro sont en 12 pouces,
Il y a sûrement d'autres tailles. Hein. Il y a de l'iPad Pro 11 pouces de la génération d'avant. Il y a de la quatrième, cinquième, troisième génération à 12, presque 13 pouces. Après, j'aurais peur d'être trop à l'étroit, tu sais, entre l'application, le dessin et... Quand on passe à dessiner sur une tablette type Wacom, un 9 pouces, c'est chaud. Ah bah oui. Si on est habitué à la Wacom et avec un écran 27 pouces, c'est vrai que ça ferait du très très gros iPad. Ce serait moins facile. Quand je dessine maintenant sur mon Cintiq, j'ai l'impression que c'est énorme. Et tu te fais pas un tennis elbow? Ah, oui, c'est mieux pour moi de dessiner avec mon épaule. Et quand je fais l'instruction, j'enseigne à l'université ici où j'habite, je travaille avec des fusains Ouais, diffusant charcoal. sur le papier très grand et je dessine comme ça. Et quand je suis chez moi, je dessine comme ça. C'est Je pas les mêmes préfère faire muscles ça. qui fonctionnent, Non, pas dessus, pas dessus. ouais. Yves trouve que les trop grands iPad Pro, c'est trop lourd pour lui. Je comprends. Il y a 13, 11. C'est quoi l'expression à chaque leur truc, quelque chose comme ça? Quoi? À chacun leur truc, à chacun leur Chacun son préférence. truc, chacun son... Chacun son truc. Chacun sa route, chacun son chemin. Voilà. C'est différent pour tout le monde. Donc des sélections, de la matière. Pour faire ça maintenant, je vais ajouter un petit peu de couleur avec ce pinceau là qui est, me donne un peu de contrôle avec la pression et je vais bouger ça comme ça. Continue, ok. Et je vais mettre ça là. Et puis après, je vais juste faire sélection et j'utilise un peu de blanc ici. Et puis, je vais ajouter un peu de spatter pour la neige qui saute. On a quelques options. Je vais commencer avec ça et voir si ça marche bien. Chacun voit midi à sa porte, nous dit Yves. Effectivement, c'est exactement ça, mais j'avais pas du tout le... Je l'avais pas en tête. C'était quoi encore l'expression? Je sais pas. Chacun voit midi à sa porte. Ok. Tu ouvres ta porte et il est midi. Je ne sais pas d'où elle vient, cette expression. Et on peut ajouter des flags pour finir. Faut finir. Ça va venir, t'inquiète. Tous les verbes sont des verbes du premier groupe, c'est facile. Tu mets ER et tu conjugues. Je veux, tu veux, ils veulent, nous venons, vous venez, ils veulent. Ça va tout seul. Faut arrêter avec la complexité de la grammaire. Noise control, la brosse que j'utilise le plus souvent avec Clean as a Whistle. Oui, Ah, c'est noise vrai control. qu'elles ont toujours des noms très mignons en anglais, tes brosses, tes pinceaux. Ils Merci. n'ont pas forcément les mêmes noms jusqu'ici.
To each their own. It's 5 o'clock somewhere. Est-ce que ça a besoin de... Ah, je ne sais pas. Je vais utiliser peut-être une couleur d'avant et voir si c'est mieux. Non. C'est ce que j'adore avec l'illustration digitale, c'est que tu peux changer ton avis mille fois. C'est une bonne chose ou c'est mauvais, ouais. Ben, ça dépend. Je pense qu'il y a des gens qui trouvent que c'est une très très bonne chose de pouvoir éditer. On avait eu cette discussion-là avec Vincent Rissacher, qui est un très très bon expert de retouche photographie. Et je ne sais plus si on l'avait évoqué avec toi auparavant. En fait, il me disait, en fait, dans Photoshop, tu peux imaginer ce que tu cherches dans Photoshop sur un triangle, et tu aurais la qualité, la rapidité et la sécurité. J'ai déjà dû en parler ici. Et quality, ça veut dire que tu prends soin de chaque pixel. Rapidité, tu t'occupes pas des calques, il faut juste que ton image soit finie. Et tant pis si tu dois repeindre à nouveau, tant pis si tu dois reconstruire. Mais rapidement, tu peux avoir un résultat. Et sécurité, c'est non seulement tu as les calques, mais en plus, tu vas avoir des objets dynamiques, tu vas pouvoir revenir, notamment pour les gens qui travaillent en production avec des clients. Parce que c'est bien de pouvoir changer d'avis quand on est créatif, mais c'est aussi quand on est en production et qu'on a un client qui, lui, change d'avis parce qu'il a envie de prendre telle ou telle partie du dessin. Tu me mélanges la piste 3 et la piste 5 en prenant un tout petit peu, saupoudrer un peu de piste 2. Du coup, là, c'est la partie sécurité. C'est Christophe Niemann. Je crois que j'ai déjà dit ça sur Adobe Live, qui m'a dit une fois que digital illustration is endlessly, what did he say? Endlessly reversible. Mm-hmm. Takes the traditional process. So le procès traditionnel, ouais, et le transformer à un procès qui est des méthodes sans limite avec dans chaque catégorie, you could endlessly changeable, endlessly reversible, endlessly. On peut toujours changer, on peut toujours revenir dessus. Ouais, donc il n'y a rien de définitif en fait. Ouais. C'est le côté de l'art génératif aussi. Alors Yves nous dit ce qu'il manque dans Fresco, c'est la recherche sur le nom de pinceau. Quand on commence à avoir beaucoup de pinceaux, ça c'est une très 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 bonne idée. Et il manque aussi des pinceaux récents. J'aimerais bien pouvoir retrouver facilement les trois derniers pinceaux que j'utilise. Récent, et ça vient, c'est déjà dans le pre-release. Dans la bêta de Fresco. Oui, récent, et ça marche très bien, j'utilise tout le temps. Mais pour avoir quelque chose pour chercher, moi je suis d'accord, je crois que c'est nécessaire ça. Et je vais dire ça à l'équipe, et on va voir si on peut ajouter ça cette année. Ouais, mais c'est oui, parce que moi ça a révolutionné ma vie dans Photoshop quand on a eu la recherche sur tous les panneaux. Parce que ben, quand on a plein de textures, quand on a plein de motifs, plein de pinceaux, plein de calques, la recherche c'est juste magique, ça fait gagner tellement de temps. Oui. Faut ajouter ça. Quand tu dessines sur du papier et que tu cherches un CTRL-Z. Eh oui. Ah. Ou alors zoomer. Vous avez essayé de zoomer sur une feuille de papier, ça marche pas du tout. Non. ok. Je suis en train de dessiner un tigre. Parce que figure-toi que cette année, on va dessiner beaucoup de tigres sur le début de l'année. J'ai fait un tigre sur Draw Along une fois. Ah. Et c'était un de mes dessins préférés dans
Toutes les émissions, il y avait combien d'épisodes? Plus de 150 épisodes. Mm-hmm. Mais le titre était peut-être un de ceux dont tu te top souviens. Five. Oui. Tiger Face. C'était le 5 novembre 2020. Il y avait Happy Frog, Pirate, Wooden Leg, Hamster. Et du coup, Tiger Face. Alors, comment tu dessines des tigres? Oh, il est très élégant. All right. On a fini ça. Et maintenant, on a ça. Et on a ce dessin-là. Et maintenant, c'était quelqu'un qui sort de la voiture et qui glisse. Qu'est-ce que... Qui dérape. Slip. Il glisse, il dérape. Sur la glace. Sur une plaque de glace à la sortie de la voiture. C'est précis. Hein. On sent les gens qui ont pris la neige récemment. Ah. Ok. On commence. Changer le... Et tout à l'heure, Alain me demandait ce que tu utilisais comme stylet. C'est le stylet standard qui va avec l'iPad, hein, de toute façon. Il n'y a pas de... Je sais pas s'il y a des alternatives au stylet Apple, au Pencil. Apple Pencil, c'est la meilleure. Il n'y a rien qui est... même proche. C'est la meilleure. Ok. Les aquarelles. Discuter de l'expression de chacun voit midi à sa porte, et visiblement, ça viendrait des cadrans solaires et du décalage horaire, par exemple, d'un bout à l'autre de l'hexagone. Une relation avec les fuseaux horaires entre Brest et Strasbourg, pour midi, il y a un décalage. J'ai oublié ces mots-là. Décalage, c'est quoi encore? Décalage horaire, c'est time zone, jet lag. Oh, time zone, hold on, ok. Décalage, c'est offset, en fait. Ah. Tu vois, c'est un mot que j'ai jamais utilisé. En français, j'ai jamais appris ce mot-là. C'est marrant, je l'imaginais pas du tout dans ce sens-là, ta voiture, au début. C'est très drôle. J'essaie tout le temps d'essayer quelque chose de différent pour créer des images. Et ouais, ça, par exemple, c'était juste... J'essayais de faire quelque chose d'intéressant avec la forme. Maintenant, on va utiliser quoi. J'ai trop d'options. Yves reconnaît une coccinelle de Beetle. C'est un type de voiture? Ouais. Tu sais, c'était le Beetle en anglais? Oh! Volkswagen Beetle. Ah, oui.
Une belle perspective inattendue, nous dit Delphine. Ouais, carrément, j'ai été surpris. J'y attendais pas la perspective du tout là-dessus. Bravo. C'est la magie avec Kyle à chaque fois. Juste avant que j'étais né, mes parents, ils avaient un Volkswagen bus, autobus, Mmh. Ouais. hein? Les petits avec, c'est quoi le mot en français, avec curtains et tout ça. Donc tous les petits rideaux autour et tout là. Oui. C'est très épi, c'est très, très années 70, non? Alors Alain a une petite question pour Kyle. Il est fan de Simon Bisley, qui fait de la peinture à Ah. l'huile, des beaucoup de monstres, beaucoup de formes, etc. Oui, je connais, j'aime bien. Quelles seraient les brushes que tu pourrais lui conseiller pour s'approcher de ce style? Pour Beasley, peut-être des huiles en fresco. Voilà, des huiles. Bien sûr, faut avoir avant, faut avoir un. Compréhension, beaucoup d'informations sur l'anatomie de les gens. Faut être très très skillful. Faut avoir l'habilité de dessiner des humains, des formes humaines, des gens, des muscles, tout ça. C'est ça qui est la première, parce qu'après ça, il y a peut-être au moins 20 ou 30 brosses qu'on peut utiliser pour créer des Pour retrouver illustrations ce qui ont. style. Oui, voilà. Mais pour avoir la texture des huiles, oui, juste la depth of the paint. Ouais, tout retrouver l'épaisseur en fait de la peinture. Voilà. Puis les huiles en fresco. Ça peut marcher très bien. Si par exemple, si je fais ça, je peux faire. Attends. Je vais utiliser Round. Ok, oui. Je commence avec. Pour Beasley. Fait un bras, quelque chose. Mettre au début une silhouette peut-être. Et puis après ça, tu peux, si tu veux, tu peux Lock transparency, garder la Conserver, transparence, verrouiller la transparence. conserver. Merci. Et puis après, tu après faire le sa silhouette, tu commences à agiter les parties qui sont dans la lumière ou qui sont dans le Dans les shadows. ombres, dans l'obscurité. Oh, merci. Et oui, tu peux contrôler comment la peinture va mélanger avec ce qui est déjà sur la toile. Et oui, commencer avec juste les formes qui sont plus larges. C'est toujours la même, j'ai oublié tous mes mots, rules, Ouais, c'est toujours les mêmes règles. C'est toujours les mêmes. règles. Commence avec les choses qui sont plus larges
Et tu après ça, Tu tu fais des affines. détails. Oui. Peaufiner le dessin au fur et à mesure. Oui, Christine nous disait le van life, c'est de plus en plus populaire. Elle a plein d'amis qui font ça. Et du coup, je lui ai recommandé de bien regarder la session avec Atomic juste avant. Parce que pour le coup, on était vraiment sur le van life. L'aventure, le camping sur 4 roues. Et on retrouve vraiment le relief et tout juste en changeant et tu conserves la transparence. Oui. J'ai fait ça trop rapidement, mais j'espère que l'idée est claire. Ce que je fais ici, c'est Maître. mettre des la chose avec Beasley, c'est aussi de faire attention à la qualité des edges, comment dire Des ça? bords. Oui, ils utilisent plein de bords qui sont très clairs, très très durs. Très contrasté. Oui, très contrasté. Et tu sais, tu peux utiliser un brosse pour ça comme ici Oil Paint Detail. Et ça va te donner l'habilité de faire même des lignes presque, tu vois. Ouais. Je vais changer comment ça mélange. Juste comme ça, quand tu as une partie qui est où tu fais la transition entre. Du clair et du foncé, du... Oui, merci. Comme ça. Et pour lui, il utilise même. Le noir, presque, pour faire des choses comme ça. Plus de contraste que ce que je fais ici. Et si tu veux, tu peux faire ça. Tu peux utiliser quelque chose qui est même plus foncé que ça. Et utilise une brosse comme dans le painting. On a Canvas Detail. D'accord. Je me rends compte qu'il est 16h59. C'est presque comme il fait des lignes sur le. It's like he's drawing on top of his painting. I don't know how to say it. Ouais, il redessine en plus, il retrace au-dessus de son dessin. Et après, tu peux faire des mélanges avec. Smudge tool, c'est quoi encore? Les l'outil Smudge. doigt, ils l'ont appelé comment ici? Ils l'ont appelé les pinceaux d'étalement pour étaler la peinture. Ce que je fais ici, c'est pas bien fait, mais Mais on l'idée, retrouve j'espère que l'idée. l'idée. Ouais, de vraiment d'utiliser tout ce qu'il peut y avoir entre la peinture, la matière de l'huile, le mélange de tout ça. Et le fait effectivement de remélanger les brosses, d'y aller avec les pinceaux d'étalement, les smudge brush. Voilà, smudge avec Nickel. ça. Je peux faire des blending, Les fusions. fusion, merci.
ça marche pas trop bien. Mais... Parce que les couleurs que j'ai mis, les parties que tu as choisies, les lignes que j'ai choisies n'étaient pas vraiment correctes, mais quand même, j'espère que c'est suffisant. Ça peut vous... Oui, ok. Ben voilà, Alain, c'était... il nous dit oui, c'est super, merci beaucoup pour la démo. Ok. Merci beaucoup. Et alors, j'avoue qu'il est 17h02. Ok. Il me semble que tu étais un peu speed sur la journée. Faut finir l'autre. Ouais, ah oui. Et je peux faire. Maintenant, je suis... Ah, je dois le faire avec un peu de... Oui. Mais ok, ça va. Et on va changer ça. Unlock. Et on va prendre ça et on va dupliquer. Mm-hmm. Et on va faire ça. Pop. Ah. Et puis... Bravo. Bien joué. Ah ben oui, là, on a la glace. Voilà. Et on va changer l'opacité. Et prendre et on va... Pop. Ok. Ok. Et... Et il nous faut le slippery fall, mm-hmm. la chute. Et avant, j'étais en train d'utiliser ce brosse-là, le Grungy Inker, je crois. Christine s'inquiète parce qu'elle me dit je ne reçois pas les notifications de Behance en français. Je dis de changer son logiciel en français, mais du coup elle risque de ne plus recevoir les notifications en anglais. Ah, mais vous voulez tout ? Non, dans ce cas-là, il faut aller directement sur la page behance.net/live/fr et regarder un petit peu ce qui est annoncé au programme et piocher pour conserver dans votre agenda, dans votre calendrier. Hein ? C'est juste des Behance, des questions d'installation sur Behance, enfin de... Ah, de, oui. De suivre les lives. Ok. Et maintenant, quelqu'un qui glisse, quelqu'un qui tombe. Oui. Alain nous dit, ah oui, en effet, utiliser plusieurs brushes, c'est super intéressant. Ah! Oula, ça, c'est une vraie chute. Chute expressive. Non, non, ça doit être rouge. Attends.
Non, est-ce que c'est mieux de faire ça? On est pas mal là. Des grands arcs. C'est très cartoon du début du siècle d'avant. C'est drôle, il y a l'ambulance qui passe au fond en bas de chez lui, juste maintenant. C'est juste au bon moment. Et voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire pour... Est-ce que j'aime ça ou pas? Je ne sais pas. Et tu sais, Slippery slope. ouais. C'est quoi? Je vais faire ça, en fait. Vais changer ça. Picky. Comment dire ça en français? Picky. Je suis exigeant, je suis tatillon. Tatillon, c'est pas mal. Tatillon. Tatillon, ouais. Tatillon. Yves nous dit les talons sur la glace, c'est parfait pour se casser la figure. Merci. Annika trouve que la cravate est très réussie. Thierry te remercie pour la démonstration. Annika trouve que ça lui rappelle Christophe Niemann. Sympa. J'ai tué ces livres. Ils sont juste derrière. Après les sessions Oui. dessinons ensemble, il y aura les sessions lisons des livres ensemble. Je vais ajouter quelque chose. Afroja Parvin qui nous dit Hello Kyle. Il doit être quelqu'un qui Qui? te suit. Afroja Parvin. Ah, salut. La fois Qui était a fait de toujours l'illustration avec toi. Illustration with Kyle Webster. Pendant les oui, sessions. et la fois était toujours quelqu'un que j'ai vu dans le chat de Draw Along, c'était très très sympa. Ouais. Est-ce que c'est mieux? Il faut garder les deux. Il faudra faire le choix. On ne sait jamais. OK. Nice. Eh ben écoute. C'est le moment où il faut choisir. Bon, maintenant, je vais choisir ça, je crois. C'est pas mal, mais elle a l'air plus de voler la voiture que d'être posée sur la glace. Plus de volets. Ouais, Oh it looks like yeah. it's jumping. Ah oui, t'as Désolé. raison, t'as raison. Non, t'as raison, t'as raison.
Ça, c'est mieux, juste comme Ben ça. ouais, je pense que c'est plus simple en fait. Ce n'est pas nécessaire d'avoir des Les réflexions. reflets. Non, reflet, pardon. Oui. Eh ben OK. écoute, bravo. On regarde les précédents d'Illus. Oui. Alors vas-y. Donc là, c'est la dernière version. On Voilà. oublie la glace. Avant ça, on a quelqu'un qui faisait Notre ski. skieur. Et avant ça, on avait cette personne qui tirait le Qui tirait son car. cadavre. Nickel. Eh ben écoute. L'hiver. C'était l'hiver, c'était la première session de l'année, et c'était comme toutes les 2 semaines avec Kyle, mais cette fois-ci le mercredi. Merci beaucoup à toi, parce que c'était très inspirant, c'était très chouette, et je pense que ça nous a bien amusés. Merci à tous les gens qui étaient avec nous dans le chat. Vous veniez de partout, et c'était très cool. On se retrouve donc demain. On aura une session, pardon, qui aura lieu à 14h avec Bruno Beret. Ce sera une session qui nous parlera de surréalisme. Bruno va nous faire des collages et des photomontages à l'intérieur de Photoshop avec beaucoup de photos de paysages, etc., etc. Et vendredi, caractère animator. Et on reprendra lundi avec Pauline. Voilà. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup à toi, Kyle. C'était très cool, comme d'habitude. Et Merci. bien, à très bientôt. Bye bye. Ciao, bye.